s'agissait d'une assemblée générale, parce qu'on allait lancer notre mouvement aujourd'hui, le 4, mais ça a été reporté jusqu'au 4 mars, Inch'Allah, à cause de la situation qui prévaut à Saint-Louis par rapport aux pêcheurs. Nous sommes de la langue de Barbarie, nous sommes de Kidnap, donc on ne peut pas organiser une grande manifestation qui serait d'obéissance lucrative, vu les conditions dans lesquelles nos pêcheurs sont en train de vivre. On lance un mouvement qui s'appelle Allure. Le mouvement s'appelle Libéral, parce que nous sommes des libéraux, nous sommes nés libéraux, nous allons mourir. Nous sommes nés libéraux, nous allons mourir libéraux. Bon, vous avez, le parti est aujourd'hui en léthargie, en lambeaux. Nous sommes des jeunes, nous avons pris nos responsabilités, nous avons mis sur pied un mouvement et le lancement sera le 4 mars, Inch'Allah, à la place Chaumière, à Saint-Louis. C'est déplorable, cela veut montrer que le ministre de la Pêche et de l'économie maritime est inefficace, inefficient, incompétent, incapable de diriger ce secteur. Il n'a qu'à avoir l'honnêteté et la dignité de quitter ce secteur-là. Et qu'on y mette un homme capable de diriger ce secteur, un homme qui aujourd'hui connaît les problèmes de la pêche. Il n'a qu'à démissionner. Et je lance un appel au président de la République, il n'a qu'à prendre ses responsabilités et que Oumar Gueye doit quitter le poste de ministre de la pêche et de l'économie maritime. C'est pas seulement les populations de la langue de Barbé, parce que la pêche est le poumon économique de Saint-Louis. Donc tout Saint-Louis est en train de souffrir des problèmes que vive aujourd'hui la pêche. On devait avoir à Guendar une commission chargée des inscriptions. C'est dommage qu'une population aussi importante que Guendar, qu'il n'y ait pas un lieu où les populations peuvent aller s'y inscrire. Donc je lance un appel aussi au ministre de l'Intérieur. Nous avons besoin d'une commission électorale pour qu'on puisse s'inscrire massivement. Je lance un appel aussi au ministre des Forces armées. Il faut qu'on ait la marine sénégalaise sur nos côtes pour pouvoir sécuriser davantage nos populations. Nous sommes des citoyens à part entière, nous sommes des Sénégalais à part entière, nous ne sommes pas des Mauritaniens, même si nous sommes trop proches de la Mauritanie, nous sommes des Sénégalais. Il y a l'obligation, il y a le devoir de protéger ses compatriotes. Donc, je lance un appel au ministère des Forces armées, nous avons besoin d'une marine sénégalaise sur nos côtes.